Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Néo.fx. Alors j'espère que vous allez bien et je remercie toutes les personnes qui suivent ma chaîne actuellement parce que les abonnés commencent à monter. Donc ça fait super plaisir et franchement, bienvenue à vous si vous arrivez à l'instant. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de filaments. J'en ai pas encore fait et j'en ai pas mal à faire à la suite. Il va y avoir d'autres marques qui vont être présentées, il y a d'autres types de filaments qui vont arriver. Ça va être des épisodes un peu spéciaux. On va dire qu'il y aura du filament et il y aura aussi de la résine spéciale imprimante SLA. Mais juste avant la résine SLA, il y aura la présentation de la Luplicator 7. Hein, comme je vous avais dit, je vais vous la faire. Voilà, donc avant de m'éparpiller, je me retrouve sur une vidéo de présentation de produits qu'on m'a envoyé à tester. C'est une personne dans les commentaires qui m'a proposé, enfin il m'a dit contact 3D Online, ils font du test de filament. Donc j'ai testé, hein, et d'ailleurs je la remercie cette personne, je mettrai son pseudo en commentaire je pense, ou en haut, pour dire merci à cette personne là, et franchement merci à toi. Alors du coup j'ai contacté 3D Online, et 3D Online sont super sympathiques, ils ont une boutique en Belgique, et ils sont très réactifs. Hein. Franchement j'ai envoyé le mail, j'ai reçu la réponse, je pense le lendemain je crois que c'était, et on m'a dit bah pas de soucis, ta chaîne nous intéresse et du coup on va te proposer à tester du filament. On a une gamme de filament premium qui est c'est-à-dire c'est du filament qui est de gamme supérieure à du filament standard. Ils ont également du fil standard hein, sur leur site qui est beaucoup moins cher. Enfin beaucoup moins cher, c'est à hauteur de 5€ à peu près. Hein. Mais déjà le filament premium, moi je trouve qu'il se place très très bien niveau tarif par rapport à d'autres gammes, à d'autres marques et tout ça en fait. C'est voilà. Alors j'ai demandé et du coup on m'a proposé de tester les 5 matériaux qui existent dans la gamme premium. J'ai choisi les 5 filaments qui m'intéressaient, enfin qui m'intéressaient, qui me proposaient. Et j'ai choisi des couleurs totalement au hasard. J'ai pris les couleurs, on va dire, je m'en foutais un petit peu. En fait pour moi c'était pas vraiment une vidéo pour avoir du filament gratuit, mais une vidéo pour tester vraiment un produit de chez quelqu'un. Donc j'ai pris des couleurs complètement au hasard. Et du coup je me suis dit on va tester les bobines. On va tester les bobines vraiment en profondeur, on va y aller quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé un petit personnage que vous verrez sur l'écran derrière. Là. Et ce petit personnage, c'est on va dire mon benchmark. C'est moi qui l'ai conçu, c'est un personnage qui est fait de telle façon qui va révéler les capacités techniques du filament. Et en même temps, moi ça me servira pour tester mes futurs bécanes, si j'en ai d'autres par la suite par rapport au partenariat. Donc je vais vous le montrer, le personnage, vous le voyez sur l'écran là. Donc ce petit personnage... Il est fait de telle façon, en fait, vous allez avoir des petites parties, genre là, les cornes, qui sont vraiment toutes fines. Je vais essayer de vous le montrer de près. Donc, vous voyez, là, il y a une écriture NFX, exprès pour démontrer si la buse est capable de le faire et tout. Il y a des creux, il y a un creux en dessous. Il y a un endroit, en fait, vous voyez, là, c'est dans le vide, et c'est fait exprès pour être imprimé sans support. Vous pouvez rajouter des supports pour faciliter votre impression, mais il est fait de telle façon... qui va démontrer si le filament réagit bien en fait dans le vide avec une ventilation. Donc voilà, ce personnage là, je l'ai modélisé, c'est un petit espèce d'alien, enfin voilà quoi, c'est fait exprès pour avoir un bench. Et maintenant je vais vous parler des matériaux que j'ai choisis. Alors j'ai choisi, les matériaux que j'ai choisis, c'est les matériaux qu'ils proposent. Donc il y a du PETG, donc là j'ai pris du blanc. Je vais vous en reparler dans la prochaine vidéo, je pense, le PETG, parce qu'il faut encore que. Enfin, il faut que je le teste. Voilà. Donc là, cette vidéo-là, je vais essayer de l'orienter sur le PLA et l'ABS. Ça va être comme ça, et après ça va être découpé, il y aura le PETG qui va arriver dans la prochaine, je pense que ça sera un petit épisode, ou alors je vais essayer de caler le PETG dans celle-ci. On va essayer de le caler à la fin, je pense. Parce que le PETG, c'est simple à tester, il n'y a pas des masses de trucs à tester sur le PETG. Moi, je trouve que le PETG est vraiment simple à imprimer. Ce que je voulais, c'était le comparer par rapport au ColorFab XT que j'utilise énormément. Et j'utilise aussi le PETG de chez ColorFab en version économie. Et du coup, je voulais le comparer et ça va être super sympa à tester, je pense. Le PETG, donc du blanc. Le PETG, moi, en général, j'achète soit du blanc, soit du noir. J'achète pas la couleur ou tout comme ça parce que le PETG, en général, je le recouvre de peinture ou d'après. Pour travailler dessus, pour faire soit un moule, soit faire des objets qui vont rester comme ça, mais qui vont être peints. Et voilà. Donc, ensuite, j'ai pris de l'ABS. Alors, l'ABS, c'est de l'ABS premium, donc on va dire, mais qui a une densité supérieure à l'ABS standard. C'est-à-dire que l'ABS standard, en fait, il va avoir une densité de 1,01 g par centimètre cube, ce qui fait qu'il réagit très très mal à tout ce qui est courant d'air et tout ça. En fait, moi, j'ai regardé l'ABS qui est en général, l'ABS standard,
il fissure beaucoup. En fait, on va l'imprimer avec un caisson. En fait, il va falloir éviter le maximum de courant d'air. Celui-ci est à 1,04 g par centimètre cube. C'est-à-dire qu'il a une densité qui le classe dans les ABS, on va dire, plus. Quand vous allez sur certaines boutiques, vous avez de l'ABS plus ou de l'ABS M. C'est à peu près ça, en fait, ça le classe exactement dans ces catégories-là. Et les trois quarts du temps, c'est des bobines de 750 grammes que vous allez payer 35 euros. Là, vous avez une bobine pour 24,95 euros, je crois, ou 59, je crois que c'était ça. Je vous mettrai les tarifs, de toute façon, dans les descriptions, si ça vous intéresse. Cet ABS-là est à 24 euros, donc du coup, comme je vous ai dit, mais c'est 1 kg, c'est pas une bobine de 750 grammes, c'est-à-dire que vous avez une vraie bobine d'1 kg. Vous pouvez travailler un peu plus. Après, niveau température et tout ça, je vais vous en parler quand on va passer aux impressions. Donc, l'ABS, c'est bon. J'ai pris du PLA. Donc, le PLA+, c'est de la, enfin, du PLA qui est un petit peu plus amélioré, on va dire, par rapport à du PLA standard. Hein. Il doit avoir des meilleures propriétés d'usinage et tout ça, je pense. Après, niveau température d'impression, lui, il nous stipule que c'est exactement les mêmes que le PLA standard. J'ai pris une couleur... alors, je ne vous ai pas dit, pour l'ABS, j'ai pris du orange. L'ABS, voilà, c'est un matériau que j'utilise pour repeindre aussi en général. Je le ponce et je le colle à l'acétone en général. C'est un matériau que je vais vraiment utiliser soit en matière première, mais qui va être recouverte de peinture, donc la couleur, je m'en fous. Soit c'est un matériau qui va être lissé vraiment en plus propre possible pour créer un moule en silicone derrière, pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Là, on passe sur le PLA. Le PLA, c'est un matériau que je vais utiliser pour créer des objets de déco, on va dire, à la maison, qui vont rester, je veux dire, qui vont être là. Mais en général, le PLA, je ne le travaille pas. Parce que, ben voilà, on va dire que pour le coller, ben, on ne peut pas le coller à l'acétone, hein, c'est pas fait pour. C'est, on peut le coller à la superglue et des trucs comme ça, mais j'aime pas trop parce que, du coup, c'est pas une soudure. C'est pas une soudure, c'est un collage. Et c'est un collage qui peut casser dans le temps ou autre chose. Donc le PLA, ben, je vais l'utiliser plus pour faire de la déco, on va dire, ou... Voilà, vraiment des petits trucs à la maison, genre je sais pas, une teinte de rideau, je peux peut-être la faire en PLA rapidement, parce que c'est un matériau qu'on peut imprimer rapidement et facilement, on va dire qu'il n'a pas de warping ou quoi que ce soit, quoi. C'est un matériau, vous le posez sur le... Sur, je sais pas, par exemple, vous avez le Z-Flex que j'utilise, moi, vous posez du PLA dessus, ça colle direct, c'est bon, vous n'avez rien à faire dessus, quoi. C'est nickel. La couleur du PLA, j'ai pris de la couleur skin, donc du coup, c'est couleur, on va dire, peau, un peu rosée. Un peu rosé, on va dire la peau, quoi, sur quelqu'un de blanc. Voilà. C'est comme ça. Donc, ensuite, du TPU. Alors, le TPU, c'est quoi? C'est du thermoplastique polyuréthane. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir une matière qui va être super solide, mais qui va être souple. Le TPU, c'est un matériau qui est considéré comme le flex. Enfin, c'est du flexible. Vous allez avoir un étirement qui va être à plus de 400% de sa capacité avant qu'il casse. Ça va être comme un élastique, quoi. Le TPU, j'ai jamais testé le TPU, donc ça va être l'occasion pour moi de le faire. Ça va être dans la deuxième vidéo, par contre, le TPU. J'ai le TPU et le deuxième qui est là, qui vont être testés dans la deuxième vidéo, parce que j'ai encore quelques réglages à faire pour le valider vraiment, je pense, parce que j'en avais déjà testé, enfin, c'était pas du TPU que j'avais testé, c'était un autre flex, et du coup, je m'étais pas trop précipité dessus, parce que j'avais vraiment envie de la présenter plus tard, la vidéo, de faire quelque chose d'intéressant. C'est des matériaux qui ont besoin de. Comment on va dire? Qui ont besoin d'être un peu plus. Enfin, imprimés plus lentement. Et on va dire qu'il va falloir surveiller régulièrement, quoi, on va dire, sur le plateau, parce que ça a tendance à vite soit se décoller, soit faire du warping, soit ça bouche au niveau de l'extrudeur. Enfin, c'est des matériaux qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser correctement. L'ABS et le PLA, par exemple, je les maîtrise à 100%. Le PETG, c'est pareil, je les maîtrise extraordinairement bien. Je suis assez content de moi pour ça. Le PLA, enfin l'ABS, franchement, je le maîtrise maintenant. Ça fait depuis 2012 que j'imprime de l'ABS. Et franchement, je le maîtrise maintenant. J'ai plus de décollage ou de fissure ou quoi que ce soit. En général, je sais par rapport à la météo ce que je vais devoir faire dans la pièce pour vraiment que ça se décolle pas. Le TPU, donc il va falloir que j'étudie ça vraiment correctement pour vous le présenter correctement. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de propre. Et donc, comme je vous disais, le dernier, c'est du PLA Flex. C'est donc du PLA, mais qui a augmenté ses propriétés pour devenir flexible. Enfin, on en a amélioré ses propriétés. Niveau étirement, il va se placer kiff-kiff avec le TPU. Sauf qu'il va pas avoir les mêmes... Donc, comme je vous disais, le TPU, donc lui, il préconise 210 à 240. C'est du noir, hein, que j'ai pris. Le TPU, je vais m'en servir pour faire des pneus de voiture RC, par exemple, ou des coques de téléphone. Hein. Et le PLA Flex, lui, j'ai pris du gris, hein, parce que j'avais envie de prendre voilà, au pif. J'ai jamais testé le PLA Flex. Les températures sont légèrement inférieures à celles du TPU.
c'est, on va dire, on va l'imprimer comme du PLA. Sauf qu'il va falloir réduire vraiment ses vitesses d'impression. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, si vous imprimez par exemple le PLA à 60 mm par seconde, là il va falloir descendre à 20 mm par seconde pour quelque chose qui va être propre. Mais il faut faire gaffe parce qu'il a tendance à vite se relever. On va dire, en gros, il se décolle du plateau. Et c'est là où ça va vous faire foirer des impressions. Donc on fera des tests. Hein. Je vous ferai vraiment des tests en profondeur, des flex, là, des deux flex, avec des réglages et sur quelle bécane je vais les passer. Alors l'ABS, il va être passé sur la Chiron, parce que la Chiron elle est équipée de l'extrudeur 3D et c'est fait exprès pour moi de passer de l'ABS dessus, hein, c'est-à-dire un corps full métal. Ça évite que l'ABS flingue le PTFE dans le tube. Et le PLA, il va être passé sur la Ender 3, parce que pour l'instant, ben, la Ender 3, et il sera passé aussi sur la EZT, parce que c'est les deux bécanes que j'utilise full le PLA, hein, je passe rien d'autre dessus, c'est fait exprès pour le PLA, j'ai pas envie que l'extrudeur, après, il ait de la merde qui traîne dedans, changer la buse, enfin, la nettoyer, quoi que ce soit, ils ont réservé au PLA. Voilà, donc on passe au test, hein, je vais vous mettre un petit timelapse de ce que j'ai fait, je pense, enfin, ce que je vais faire, hein, le petit timelapse sur le PLA sera mis, L'ABS, je vais voir si je peux faire un timelapse en même temps, parce que je vais essayer de faire les deux bécanes en même temps pour gagner pour avoir un gain de temps, parce que j'ai pas assez de caméra pour tout faire malheureusement. Donc l'ABS, ça va être des grosses pièces, enfin ça va être une grosse pièce je pense, qui va être faite exprès pour tester, voir si ça fissure pas. Voilà. Et le PLA, bon, on va faire une multitude de pièces je pense, on va voir, on va utiliser la bobine correctement je pense. Bonjour à tous, alors vous avez vu la timelapse du coup du PLA, donc c'est le PLA Premium comme je vous disais. Alors j'ai imprimé plusieurs objets, j'ai imprimé un T-Rex complet, ça a mis 4 jours à imprimer je crois, parce que j'ai imprimé, alors j'ai fait différents réglages sur le T-Rex, j'ai fait des impressions rapides pour voir si le PLA tenait bien, j'ai fait des impressions lentes en haute qualité. En fait le T-Rex c'est une sorte de vitrine de tout ce que j'ai pu mettre comme type de réglage on va dire. Il y a des endroits où j'ai fait des tests de rétractation pour les dents, j'ai fait des tests au niveau des côtes, là on voit qu'il y a des endroits où c'était pas tout parfait. Il y a des endroits où ça a imprimé nickel par contre, parce que c'était des réglages en 0,2 avec ventilation, enfin j'ai essayé de varier un petit peu tous mes réglages. Et maintenant je vais vous dire à peu près les réglages que j'utilise, et du coup j'ai utilisé Cura. Alors là vous avez des pièces, alors ça c'est un petit bench que j'avais fabriqué aussi, hein, qui est nickel. C'est... Alors le texte il est parfait, là il est imprimé en 0,1. Hein, c'est vraiment une pièce qui est superbe. Il est propre de partout. Il n'y a aucune ventilation. Je veux dire, il est imprimé nickel, quoi. C'est un objet qui est propre. Voilà. Il avait été imprimé. Alors lui, il était imprimé à 60 mm par seconde à 209 degrés. Je mets 209 degrés pour 60 mm par seconde. Niveau ventilation, alors je mets quand même un petit peu de ventilation hein, pour du PLA pour que ça se stabilise. Donc là j'ai mis 25%, 30% de ventilation, j'ai mis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur celui-ci? Alors comme je vous disais, moi la première couche, même si c'est imprimé en 0,1, je mets toujours une première couche un peu plus épaisse, c'est-à-dire qu'en gros je mets 0,25 ou 0,30. C'est une première couche qui permet de vraiment adhérer. Après, vous ne la voyez pas sur les autres couches. Hein. Vous mettez un bottom de 0,30, ça suffit largement et ça colle parfaitement au plateau. Voilà. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Sur celui-ci, bah, il n'y avait rien de spécial, hein. C'est juste qu'il est nickel. Ensuite, les petits personnages. Enfin, les petits personnages. Alors, il y en a un peu plus gros et j'en ai fait un peu plus petit pour voir les cordes. J'ai oublié de vous dire, pour la rétractation, du coup, je suis à 6. À 6 en rétractation avec une vitesse de 45 mm par seconde en rétractation. Voilà, c'est ce qui m'a donné, enfin le 6 c'est ce qui m'a donné les meilleurs, oui il y a encore un petit peu de fil, mais ça après, il n'y a pas que la rétractation à jouer, c'est aussi la vitesse de déplacement entre les mouvements. C'est-à-dire qu'en gros quand vous passez d'ici à ici, si vous avez une vitesse trop lente comme ça, même avec une rétractation, ce qui va rester au bout de la buse va faire un petit fil. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre des mouvements un peu plus rapides, on va dire. Hein. Donc du coup, je suis à 120 mm par seconde en mouvement d'un endroit à un autre. Ça arrive quand même à faire de... Mais vraiment des tout petits fils. Mais après, ces petits fils-là, ils sont vraiment rikiki, c'est vraiment pas de la rétractation, c'est ce qui reste au bout de la buse en général.
C'est ce qui fait qu'il y a des tout petits fils. Après, sinon, vous voyez, il est nickel. Hein. Le dessous, il est parfait, il est propre. Voilà. Donc le petit personnage en version gros, il est nickel. Le texte sur le torse, là, on voit qu'il est nickel. Celui-ci, j'avais mis moins de rétractation. On peut voir qu'il y a un tout petit peu de fil là qui s'était formé. Mais vous voyez, j'ai rien nettoyé. Je nettoie juste parce que je suis en train de passer les doigts dessus, ça les enlève, en fait, ça tient pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'étais à 5. Je crois que j'étais à 5 sur celui-ci. Ouais, j'étais à 5. Et du coup, dessous, ça a fait un petit peu de bavure parce que justement, ça arrivait à couler. Sur celui-ci, là, le dessous, il l'a bien fait. Il n'y a pas de support, donc ça l'a pas trop mal fait. Là, la ventilation, on était à 100%. Sur les deux, là, je suis à 100% en ventilation. Et je suis obligé pour mettre les petites cornes. Voilà. Donc ça s'est très bien passé, franchement, le PLA Premium. Le T-Rex, alors comme je vous disais, il y a plusieurs réglages. Il y a la queue qui a un tout petit peu de moumoute, parce que là, j'étais pareil, j'étais encore en phase de test de réglage, pour voir si la rétractation sur un petit truc comme ça, ça bougeait aussi pas mal. Là, la rétractation de la queue, j'étais à 5 pour voir les tests, à 5, pareil, comme j'avais fait l'autre truc, là. Parce que j'avais commencé par les petits bouts. Le 5, c'est pas top, hein. Franchement, vous passez à 6, là, par contre, ça bouge plus. Là, c'est pareil, là, ce morceau-là, en fait, s'imprime avec la queue, donc en fait, il y avait deux morceaux. Donc là, c'était toujours à 5, il y avait toujours un petit peu de fil. Après, les autres, là, n'ont plus de fil, parce que c'était à 6. Tout le reste, là, il n'y a rien qui a été enlevé. C'est exactement sorti comme ça de la bécane. Il y a juste un peu de brime. Hein, vous savez, le brime qui se met autour de la pièce pour que ça adhère bien sur les petites parties comme ça, parce que les petites parties comme ça, c'est juste une petite corne qui est dans le vide. Donc il faut mettre un peu de brime pour permettre à la surface de mieux adhérer. Mais là, vous voyez le T-Rex qui est franchement propre. Je suis assez satisfait de ce filament, franchement, c'est vraiment un bon filament qui s'imprime très bien. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez aller de 205 degrés, si vous imprimez lentement, genre à 45 mm par seconde, vous pouvez aller à 205 degrés. Si vous imprimez plus vite, vous allez devoir augmenter un tout petit peu la vitesse, enfin la température, et vous allez augmenter un tout petit peu votre flux de plastique. Genre par exemple, vous êtes à 100%, vous mettez 105% pour 60 mm par seconde à 209, 208, ça vous permet d'injecter un tout petit peu plus de plastique, ça évite d'avoir des ruptures de couches à des endroits, parce que des fois, il est possible que vous ayez des endroits où ça ne fasse pas les jointures. Là, j'avais fait le support du T-Rex, je l'ai fait en assez rapide. Là, j'ai eu un tout petit trou. Pourquoi ? Parce que dedans, en fait, il n'y a presque pas de remplissage. Je suis à 5% de remplissage, je crois. Je voulais que ça fasse le support assez rapide, parce que le support, en fait, je ne vais pas le garder. Je vais mettre le T-Rex sur autre chose. Il va être suspendu avec des câbles, enfin, du fil de pêche. Hein. Je vais faire un espèce de petit diorama, enfin, un petit décor pour le poser sur ma petite vitrine, je pense. Voilà. Donc, on passe à l'ABS maintenant. Hein. Ce que je voulais vous dire sur le PLA, donc du coup, c'est un super compte-rendu. Je vais vous mettre... je pense dans la description en dessous, je vous mettrai les réglages que j'ai utilisés, ainsi pour ceux qui arrivent en cours de vidéo qui veulent les savoir. Ah si, je ne vous ai pas tout expliqué. J'ai fait aussi un support de GoPro là. Lui pareil, il a été fait avec, mais comme il est collé, en fait je l'ai fixé à l'avant de la Ender 3, c'était pour faire les timelapses. Enfin, la petite timelapse en octoprint là, en octolapse. Le support est super solide. Après, par contre, je le referai en ABS. Hein, c'était juste pour faire un truc vite fait, pour faire les timelapses dans les temps. Lui, il a été fait rapidement. Il n'y a rien de spécial à dire dessus. Franchement, il est propre. Alors, franchement, le PLA Premium, je vous le conseille. Le prix est intéressant. Je crois que c'est 24€ pour le kilo. C'est un peu plus cher que certains autres sites qui le vendent 15€ ou des trucs comme ça. Mais là, vous avez vraiment un vrai filament premium, quoi. C'est un PLA qui réagit super bien. Il est propre. Il arrive à faire des impressions vraiment nickel. Franchement, vous pouvez y aller. Franchement, allez-y sur le PLA Premium 3D Online, super. Maintenant, on va passer à l'ABS sur la Chiron pour vous faire un compte-rendu. Alors, j'ai fait moins de pièces qui ont mis autant de temps que sur la Ender. Pourquoi ? Parce que c'est des grosses pièces. Donc, du coup, on passe sur la Chiron. A tout de suite. Voilà tous pour l'ABS. Alors, on se retrouve sur la Chiron. Parce que, comme je vous ai dit, l'ABS, je le passe que sur la Chiron. Parce qu'elle a un extrudeur E3DV6 full metal, qui est fait exprès pour l'ABS. Hein, comme ça, j'ai pas de bourrage, ni quoi que ce soit et tout. Et comme ça, mon extrudeur contient que de l'ABS. Il n'y a pas de filaments annexes qui viennent perturber les trucs et tout. Quoi. Des fois, je passe du PETG, mais quand je passe le PETG, en fait, j'ai l'extrudeur qui est démontable. Et je passe sur... j'ai un autre extrudeur avec une buse qui est beaucoup plus grosse. Parce que des fois, je fais des pièces, on va dire, assez imposantes sur la... Sur la Chiron, je passe des. En général, je fais que des grosses pièces. Hein. C'est pour ça que j'ai pris la Chiron d'ailleurs. Elle a une buse de 0,6 d'origine, donc du coup, ça permet d'avoir des pièces rapides et en grande taille.
Voilà. Je vous en reparlerai de toute façon pour la vidéo du PETG, parce que j'ai fait la pièce en PETG aussi. J'ai fait une pièce de télescope que je vais vous parler après dans la partie PETG. Alors, l'ABS, j'ai été super satisfait, on va dire. C'est de l'ABS qui s'imprime super bien. Là, vous voyez, c'est imprimé dessus la Chiron. Il y a zéro support, pareil. Et je vais vous donner un petit conseil. Sur cet ABS, là, c'est un ABS qui, comme je vous l'ai dit, est densifié un peu plus important. Il a 1,04 g. Et du coup, ce qui veut dire, c'est qu'on peut utiliser, on peut utiliser la ventilation. Et je n'ai pas utilisé de caisson, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de caisson sur la Chiron. Hein, c'est, on va dire, la pièce, voilà, l'air de la pièce, l'air ambiant. Là, j'ai imprimé, on était à 22 degrés dans la pièce, parce que j'ai quand même allumé le radiateur pour que ça puisse chauffer un peu la pièce et éviter d'avoir des petits défauts. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un autre jour où j'avais pas le radiateur qui était allumé. Parce que j'ai imprimé sur plusieurs jours, hein, le coffrage du bras robotique, il est imprimé dessus, il y a eu zéro fissure. Zéro fissure. Franchement, la pièce est nickel, vous pouvez la voir, elle est parfaite. Elle est creuse, hein, dedans, il n'y a rien du tout. Après, c'est pas fixé. Hein, là, je vais vous montrer comme ça. Donc, le bras robotique, il est comme ça. Il n'est pas fini, lui, ce sera un sujet pour plus tard. Donc, vous voyez, là, c'est pas vissé encore, il n'y a aucune partie qui est vissée. Hein, voilà. Tout ça, c'est fait dessus la Chiron, c'est partie mécanique. Lui, le petit bras, là, je voulais faire un timelapse, et au final, la caméra était sur l'autre, et comme je faisais les pièces du T-Rex, j'ai pas pu faire le timelapse sur l'ABS. Mais après, la timelapse sur l'ABS, ça s'est passé exactement de la même façon que sur le PLA. Voilà, vous pouvez voir, les pièces sont nickel. Alors là, il n'y avait pas assez de rétractation sur cette pièce-là, j'en ai pas mis assez sur celle-ci. Là, j'étais à 2,5, parce que l'ABS, oui, il faut se dire que l'ABS n'a pas besoin d'autant de rétractation que le PLA, parce que ce n'est pas élastique. L'ABS est beaucoup plus rapide à sécher, enfin à refroidir, on va dire, sécher, c'est un peu con. Il est beaucoup plus rapide à refroidir, ce qui veut dire qu'il y a moins besoin de rétractation. Et du coup, là, j'étais à 2,5, je crois. Ouais, 2,5, j'étais sur celui-là. Du coup, il y avait encore un peu de caca dedans. J'ai pas nettoyé les pièces. J'ai fait exprès de vous les montrer comme elles sont sorties de la bécane. Il y a juste le brim que j'ai enlevé, là. Dessous, là, on peut voir que c'est propre. Comme je vous disais, donc, il y a une ventilation à 30% sur toutes les pièces, là. La ventilation, je l'ai mis à 30%. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à l'ABS de se stabiliser tout de suite. Il va pas avoir tendance à vouloir refroidir ou se ramollir lentement. Avec le refroidissement, ça le stabilise tout de suite. Il va se bloquer à sa température, il ne va pas avoir de choc thermique ou quoi que ce soit qui vont faire qu'il va se relever ou quoi que ce soit. L'avantage de cet ABS qui est plus densifié, il se stabilise tout de suite et il n'y a pas de warping. Vous avez vu, il n'y a pas de warping. C'est plat, c'est propre, les pièces sont nickel. Hein. Vous voyez, j'ai juste mis de la colle, la Tombow que je vous avais présentée dans une autre vidéo. Vous mettez que de la Tombow sur le plateau ultra basse de la Chiron, ça marche nickel. Après, sur une plaque de verre, ça marche exactement pareil. Parce qu'après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'ultra basse, c'est une plaque de verre, hein, juste avec des micros poreuses, là. C'est juste comme ça. Excusez-moi. Je commence à avoir faim. Donc, vous pouvez voir que les roues dentées, là, sont nickel. Là, la grosse pièce est nickel. Je vais éviter de trop la bouger, parce que comme j'ai mis des billes pour faire mes petits tests, là, parce qu'il y a les moteurs qui sont dedans. Donc, après, comme je vous avais dit, c'est creux. Dedans, il n'y a rien de tout dedans. C'est une pièce que, justement, c'est que des parois. Après, si je la retourne, le problème, c'est que les billes vont se casser la gueule. J'avais fait un petit trou denté que j'ai dessiné sur Cinema 4D en 10 secondes. C'est un petit trou denté. Ça servira à rien, ça c'est juste pour de la déco. Ça c'est pareil, c'est tout imprimé. Il y a les trous, ils sont déjà nickel. Il y a juste à repasser un tout petit coup de forêt pour les avoir plus propres. Hein, parce que là, il y a des endroits où en fait, il y avait du support. Vous voyez, ça c'est juste du brim en fait. C'est même pas du support, c'est du brim qui se met à l'intérieur des trous. Voilà. Vous voyez, ça s'enlève nickel. Là, il y avait sur celle-ci, là, il y avait la rainure. Alors je vous dis tout de suite, ça c'est imprimé avec une buse de 0,6. Hein. C'est une buse de 0,6. C'est une buse de 0,6, mais je suis à 0,45 en hauteur de couche. Ce qui nous donne des trucs vraiment très propres. J'ai testé quoi ? Le personnage, là, c'est pareil. Il est en buse de 0,6. Pour ceux qui se diraient, si on ne peut pas faire des pièces propres et précises avec du 0,6, c'est faux. On peut faire des pièces précises avec du 0,6. Tout ce qu'il faut, c'est que vos hauteurs de couche soient limitées. Après, en 0,45, lui, il n'est pas en 0,45, il est en 0,30. Avec une buse de 0,6, ça passe du 0,30. Mais c'est propre, pourquoi ? Parce que la Chiron elle a un bon extrudeur, enfin j'ai tout modifié dessus, de toute façon elle est propre, la structure elle est toute refaite. Ce qui nous donne des pièces propres. Sur une bécane type Prusa, vous allez avoir des pièces aussi propres. Donc voilà, donc ça c'est toutes les pièces que j'ai fait avec l'ABS sur cette partie là, donc il y a ça. Après, il y a d'autres pièces qui sont faites sur le bras. Alors le noir, ça c'est un truc que j'avais commencé il y a longtemps.
que je me suis dit, bah, je le finirai un jour où je pourrais, et puis au final, bah, je l'avais laissé de côté, et puis voilà. Alors, l'orange, c'est pareil, c'est fait avec. Et toutes les cotations, ce que je veux dire, c'est que les pièces rentrent nickel, en fait, il n'y a pas eu de retouche ou quoi que ce soit. Ça, l'avantage d'avoir un BS qui est beaucoup plus densifié, il a une faible rétractation, ce qui fait que vos cotes ne vont pas se modifier. Si par exemple vous faites une pièce de 50 avec de l'ABS standard et qu'il a tendance à se rétracter trop vite, au lieu de faire 50, votre pièce par exemple va faire 49,87 par exemple. Avec celui-ci, si vous mettez 50, vous allez avoir peut-être 49,90 ou 98. Ça va avoir une faible rétractation. Et avec la ventilation à 30%, comme je vous disais, bah, ça fait que la pièce elle se stabilise tout de suite. En fait, elle se stabilise et ça évite d'avoir des rétractations, des rétrécissements de pièces. Là, du coup, bah, toutes les pièces sont nickel. Je suis franchement super satisfait de l'ABS. Je m'éternise pas trop sur l'ABS parce qu'il n'y a rien de spécial à dire de plus non plus. Hein. Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec cet ABS. Vous voyez, j'en ai même pas utilisé beaucoup. Pourtant, j'ai fait des grosses pièces. C'est un PLA, un ABS. J'en veux avec le PLA. C'est un ABS qui coûte donc du coup 24,59€, je crois, 24,49€, je vous mettrai de toute façon, comme je vous l'ai dit, les tarifs. Et c'est des bobines d'1 kg, c'est pas du 750 grammes, hein, c'est de l'ABS plus en 1 kg. Voilà. Alors, pour les températures d'impression, maintenant, le plateau, je le stabilise à 100 degrés pour celui-ci, avec la colle, ça marche nickel. Pour la température d'impression, j'imprime à 250 degrés avec une ventilation à 30%. Après, pour des petites zones comme celle-ci, là, par exemple, ce qui se passe, c'est que si la température est trop élevée, ça risque de faire des couleurs. Ça risque de faire des couleurs, comme ici, là. Par exemple, ça risque de brûler un tout petit peu le plastique. Ce que vous pouvez faire, c'est que avec le logiciel de tranchage, par exemple, vous pouvez régler à cette hauteur-là, par exemple, à cette zone-là, je ne l'avais pas fait sur cette pièce-là. Vous pouvez définir, par exemple, que toute cette zone-là va être imprimée légèrement moins chaude, par exemple à 248 degrés, par exemple. C'est en fonction de ce que vous allez tester après chez vous aussi, de votre environnement, par exemple, si votre pièce est froide ou chaude. Moi, comme je vous ai dit, là, lui, il a été imprimé, le radiateur n'était pas rallumé, donc du coup, dans la pièce, il devait faire 19 degrés, parce qu'il fait bon quand même, s'il y a l'ordinateur qui tourne, et puis en général, il y a l'autre imprimante qui tourne, donc du coup, ça chauffe un peu la pièce. Voilà. Tout ça pour dire, l'ABS, franchement, nickel. Franchement, vous n'allez pas être déçu, c'est du super plastique, vous pouvez y aller. J'ai testé le orange, après je testerai les autres couleurs, parce que moi ça m'intéresse vraiment de partir sur d'autres tests de l'ABS de chez eux, parce que j'imprime énormément d'ABS, comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, à tous, on se retrouve pour la partie PETG. Alors, la bobine de PETG, vous ne la verrez pas, parce que je l'ai rincée, on va dire, il n'y en a plus. Donc, PETG... de chez 3D Online. Alors l'autre PETG de 3D Online. Alors qu'est-ce que j'ai imprimé avec? Alors je n'ai pas imprimé la grosse pièce, hein, non. Je n'ai pas imprimé la grosse pièce. Cette pièce-là a été faite avec du ColorFab. Mais pourquoi j'ai mis la grosse pièce? Enfin, ça, tout ça, c'est les morceaux de mon télescope, en fait, que je suis en train de construire en ce moment. Et j'avais des petites modifs à porter sur deux petites pièces que j'ai refaites du coup avec le 3D Online. Je fais que des grosses pièces, comme je vous disais, avec le PETG et l'ABS. Ces pièces-là ont été faites sur la Chiron. Avec la buse de 06, toujours. Alors, cette pièce-là et cette pièce-là ont été imprimées avec la bobine de 3D Online. Là, il y a 900 grammes. Et là, ben, j'ai eu de la chance, j'ai pas pu finir avec la bobine de 3D Online. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû rajouter du ColorFab que j'avais. Et ce qui se passe, c'est que vous ne verrez aucune différence entre les deux jointures. En fait, les deux filaments se fusionnent parfaitement ensemble. Enfin, on peut voir l'endroit où il y a eu la démarcation, en fait. J'étais à peu près... Bon, je crois que j'étais à peu près par là. En fait, j'ai commencé le début et j'avais plus assez de filaments. En gros, là, j'ai rincé toute la bobine, quoi. Ce que je veux dire, c'est que vous ne verrez aucune différence entre du PETG de chez ColorFab et du PETG de chez 3D Online. Ce qui veut dire que vous avez du PETG ici qui ne coûte pas très très cher. Je vous mettrai le tarif également, hein, dans la description. C'est du PETG premium, comme ils disent, mais pour moi, c'est du PETG super. Enfin, c'est du super PETG. Alors, après, température d'impression du PETG. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est du super PETG. Niveau température d'impression, on est... Alors, moi, j'imprime le PETG à 245 sur un plateau à 80 degrés. Et je mets quand même de la colle. Hein. Je mets du Tombow, là. Et après, bah, c'est nickel. Franchement, ça colle super bien. Vous pouvez y aller. Et c'est costaud. Vous pouvez y aller. C'est de la pièce costaud. Cela, c'est super solide. Ça, c'est mon support de miroir pour télescope. Donc, voilà.
Et ça, c'est le support pour l'araignée. Enfin, c'est l'araignée, en fait, qui va supporter le miroir secondaire du télescope. Voilà. Je m'éternise pas trop sur le PETG parce que j'ai imprimé qu'une pièce. J'ai pas pu faire de timelapse non plus parce que c'était trop gros. Hein. Ça, il y en avait pour... Alors, j'ai mis combien de temps à imprimer ça? Ça, là, j'ai mis 40 heures. 40 heures à imprimer ça, et ça, bon, ça a pas mis longtemps. Parce qu'en 0,6, ça permet de faire des pièces quand même assez rapides. Hein, ça permet d'aller assez vite. Niveau vitesse d'impression sur le PETG, je suis à 45 mm par seconde. Je suis. Hein. Je n'ai pas de ventilation. Je mets pas de ventilation parce que sur des grosses pièces. En fait, la ventilation a tendance à fragiliser le PETG au niveau du refroidissement. Enfin, c'est. Sur des petites pièces, si vous mettez de la ventilation sur du PETG, il va devenir cassant. Ça va pas bien souder les couches entre elles. Et il va devenir cassant. Alors que si vous mettez pas de ventilation, ça va bien jointer les pièces. Et franchement, là, vous pouvez y aller. Par contre, je ne m'amuserai pas à le balancer par terre. Parce que s'il le lance par terre, il va éclater. Comme je vous disais, hein, il résiste très mal aux impacts. Par contre, niveau solidité et dureté dans le temps, là, on peut y aller. Ça va tenir longtemps. C'est pour ça que j'ai fait ça pour mon télescope. Parce qu'il ne bouge pas dans le temps. Et c'est quelque chose qui va beaucoup bouger dehors. Donc, si le projet est concluant, hein, je veux dire. Voilà. Donc on va se retrouver pour la conclusion et enfin pour la conclusion des trois filaments que j'ai testés. Les deux flex seront présentés dans la prochaine vidéo parce que pour l'instant il faut que je fasse encore des tests dessus. Voilà, donc à tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, la conclusion sur le filament premium de chez 3D Online. Donc l'ABS c'est approuvé, le PLA c'est approuvé et le PETG ben, pour moi c'est tout bon. Alors après, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, hein, je répondrai. J'essaie de répondre à peu près à tout le monde, c'est pas simple de répondre à tout le monde. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'abonnés ou beaucoup de commentaires pour l'instant, j'arrive à répondre. Après, il y a certaines questions que je note sur des papiers, parce que je pense que d'ici quelques temps, je ferai une espèce de FAQ sur des questions de réglage, de trucs comme ça, de paramètres d'impression, de firmware, de trucs comme ça. Il va y avoir des tutos de toute façon qui vont arriver sur Marlin, il va y avoir des tutos qui vont arriver sur Octoprint, parce que par exemple, vous voyez, j'ai fait un timelapse, j'ai utilisé Octolapse. Bah, par contre, vous verrez dans la vidéo, ça tremblait un petit peu, c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'avais fixé la petite espèce de fausse GoPro que j'ai là, j'avais fixé sur le plateau, et c'était pas stable à 100%, donc j'ai refait une autre fixation après, mais du coup, je l'avais testé après. Donc voilà. Je regarderai Octolapse, je vous ferai un petit tuto sur ça, je pense si ça peut intéresser du monde pour faire des petites timelapse en version comme ça là. Il y aura Octoprint, hein, ça peut toujours servir d'avoir Octoprint. Après il y avait Répétier Serveur que moi j'utilise, qui est pas mal parce que Répétier Serveur, l'avantage c'est qu'on peut paramétrer plusieurs imprimantes sur le même serveur. Alors qu'Octoprint, il faut avoir plusieurs bécanes, enfin plusieurs Raspberry Pi pour avoir plusieurs instances sur les bécanes. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous libérer. Hein. La vidéo durera assez longtemps, je pense. On va se retrouver pour une vidéo 2 sur les flex, hein, que je vous avais dit. Il y aura le TPU et le PLA flex. Mais je ne les avais pas casés dans cette vidéo-là, parce qu'il va y avoir des paramètres à régler et tout ça. Il va falloir que je vous en parle plus précisément. Parce que c'est des filaments qui sont un peu plus techniques à imprimer que de l'ABS ou du PETG, par exemple. Il va falloir apporter un peu plus de concret. Et puis... le TPU, c'est pareil, comme je voulais l'utiliser pour faire des roues de voiture RC, je vais imprimer les roues de voiture RC avec l'ABS qui me reste, là, du coup. Je vais imprimer d'autres parties, parce que je suis en train de faire une voiture RC, pareil, qui sera full imprimée, quasiment, sauf les amortisseurs qui sont déjà, en fait, j'ai déjà quelques pièces qui sont déjà là. Mais le but, c'est de faire une voiture RC en impression 3D, et puis de la présenter, de vous présenter le projet en même temps. Il y aura le télescope, il y a le bras robotisé qu'il faut que je termine aussi, qui est à côté là. Mais j'ai trouvé un autre bras robotisé d'un autre projet de français qui est sorti il y a quelques temps maintenant, et je pense que je vais le réaliser, et ça fera un sujet de robotique sur la chaîne. Voilà. Donc après, s'il y a des personnes qui sont intéressées, il peut y avoir également des sujets sur l'informatique, parce que j'avais déjà une autre chaîne YouTube autrefois qui s'appelait Futur Hardware, sur laquelle je présentais des composants d'informatique. Si ça intéresse du monde de monter une bécane, parce que moi j'utilise mon PC pour faire de la 3D, s'il y a des personnes que ça intéresse de monter ce genre de bécane, hein, pas forcément biprocesseur comme ça, mais je veux dire... Si l'informatique ça vous intéresse, je peux rajouter ça sur la chaîne. C'est pas le but de m'éparpiller, c'est que à la base NeoProDFX c'est une chaîne pour parler de technologie.
Donc l'informatique en fait partie, l'impression 3D en fait partie, les CNC, la robotique, tout ça, le but c'est de parler de nouvelles technologies, voilà. Et de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quoi. Hein, c'est là, par exemple, les composants, vous montez, si vous souhaitez vous monter un PC ou des trucs comme ça, vous réglez vos bécanes, tout ça. Je pense qu'il va y avoir des petits projets qui vont arriver assez rapidement, là. Normalement, le projet solaire va pouvoir va pouvoir se développer, hein. Je pense que là, ça va pas tarder à arriver. Enfin, en fait, j'attends une rentrée d'argent qui va arriver par rapport à ce que j'ai, en fait, au niveau santé. Et du coup, je pense que ça va me permettre de développer le sujet panneau solaire. Hein, j'ai tout développé. Enfin, j'ai tout fait mes plans, là. J'ai tout fait mon papier. J'ai tout chiffré, tout ce que j'ai besoin, en fait. Donc, voilà. Donc, le filament 3D Online, c'est approuvé pour moi. Je remercie 3D Online de m'avoir fourni ces échantillons. Enfin, ces échantillons, c'est carrément des bobines complètes. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous remercie de m'avoir fourni ce filament à tester. Et si jamais vous voulez que je teste votre imprimante 3D Magma, ça sera avec plaisir. Je ferai vraiment une vidéo complète sur la bécane. Voilà. Donc, merci à vous, les abonnés, de me suivre. Merci à toutes les nouvelles personnes qui arrivent en ce moment, qui s'abonnent à la chaîne. Hein, ça me fait super plaisir. J'ai rajouté sur la page d'accueil de la chaîne YouTube, il y a une page Spreadshirt. Si jamais il y en a que ça intéresse de faire un t-shirt NeoProDFX pour me faire un peu de pub ou tout comme ça. J'ai fait le petit robot que vous voyez sur l'écran. J'ai fait un t-shirt avec ce petit robot-là, en fait. C'est mon petit truc à moi, c'est mon design. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse d'imprimer des t-shirts ou des trucs comme ça, en fait, moi, le but, c'est pas de gagner de l'argent. Enfin, si, c'est de gagner de l'argent, mais je veux dire, c'est pas de gagner de l'argent sur votre dos en rien faisant derrière. Ce que je veux dire, c'est que c'est Spreadshirt, Tipeee, tout ça, c'est pour faire vivre la chaîne et justement pour me permettre derrière d'acheter des trucs, des composants, des choses pour vous faire des vidéos à vous et améliorer le contenu de la chaîne et puis apporter de nouvelles choses, quoi. Voilà. Donc moi, le but, ce serait de vivre de ma passion à plein temps, en fait, en tant que youtubeur et en tant que maker. Voilà. Parce que du coup, comme je vous le disais, par rapport à ma santé, j'ai été reconnu officiellement inapte au travail. Malheureusement, c'est voilà, ils m'ont reconnu entre 50 et 79% avec une incapacité à pouvoir aller travailler quelque part. Parce que malheureusement, une tumeur, ça permet pas de faire grand chose. Surtout que là, j'en souffre pas mal. Actuellement, là, j'ai mal. J'en peux plus. Enfin, en ce moment, j'en ai marre, quoi. Voilà. Donc du coup, bah voilà, j'ai le seul revenu que j'aurai, ça sera une pension d'invalidité, le truc là. Enfin voilà, ça m'emmerde un peu de devenir un légume, mais voilà quoi, j'ai pas le choix. Je vis avec et malheureusement c'est pas opérable. Donc les techniques actuelles, c'est malheureusement voilà quoi. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi les hautes technologies, c'est que j'aimerais bien un jour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer tout ça, quoi. Pour pouvoir s'en sortir soi-même et puis voilà quoi. Voilà. Donc merci aux 2197 abonnés actuellement. Hein, on a franchi la barre des 500 000 vues, donc c'est vraiment pas mal. Donc merci à tous et surtout, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, hein, abonnez-vous, likez, comme on dit là, mettez un pouce bleu ou je sais pas quoi là. Bon après, je cherche pas trop ça, mais je veux dire que si vous vous abonnez, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai peut-être de partenaires qui me suivront et qui me permettront d'avoir plus de choses à vous présenter. Voilà. Donc, salut à tous et portez-vous bien.